Voilà, on va suivre cette action, cette phase de jeu où l'équipe nationale a bien entendu haussé le niveau du jeu. Là, oui. Absolument, il prend le pied d'appui. C'est indiscutable. Cheikh Tiang Diabaté qui est parti. Il y avait des appréhensions cet après-midi. Je pense que l'équipe a rassuré vraiment le public avec d'abord la qualité de son football et surtout le résultat final. Dans l'ensemble, les Aigles ont parfaitement maîtrisé leur adversaire. Il n'y a pas eu de grosses frayeurs. C'est vrai que par moments, il y a eu des petits flottements, mais ça arrive dans toutes les équipes du monde. Donc, une belle opération pour les Aigles qui n'ont plus qu'à aller chercher leur qualification au Botswana. Et avec ce score, on peut vraiment être sûr, bon, pas totalement sûr, mais on est quand même bien placé pour avoir ce ticket-là. Une équipe des Aigles du Mali au sein de laquelle on a vu des retours heureux de Fousseyni Diawara, de Adama Coulibaly Police, de Mahamadou Diarra Guila.